amis, bienvenue sur ce nouveau live, le Tour des Stades épisode 3, avec messieurs Carlitos ici présent, messieurs Tobinho, moi-même, le petit petit, votre serviteur numéro 1, et derrière la caméra, Alexis Labarbouze. Au programme, nous partons à Lyon, voir Lyon Rangers, c'est la fête des Lumières, ça sent le pinard, le Beaujolais, et surtout, l'ambiance très très festive avec les copains. Voilà, l'intro est terminée, bonne vidéo à tous. Messieurs, expliquez l'histoire du masque. En fait, le masque, c'est un masque français. Et moi j'aime bien mon pays, du coup j'étais content de payer 5 balles pour faire ça, genre. Je suis d'Arvador. Messieurs, en direct du train, direction Lyon, par Dieu. Avec un soleil de feu. Streamer Yannick Noah, c'est important. C'est très très important. Tout en France. Désormais, direction Lyon, un vlog de qualité. En bonne compagnie. C'est ouais. Parti. Ouais, il me dit Genève aussi. Ouais. Très bien. J'ai des confiances comme en Desert Eagle et en Zizou dans les arrêts de jeu. Numéro 2, fait capitaine Moussa.
magistral. Je vais péter le cul. C'est fait un but magistral. Dans la victoire, comme dans la défaite, ne supportez pas l'Olympique de Lyon. Comme Eddie Proctor. C'est les Rangers. Pas les Rangers. Super match de foot, on a vu un beau but de Cherki, on a vu plus de mauvais contrôles et de mauvaises passes que de belles actions, mais bon, il faut dire que l'enjeu du match était aux abonnés absents, Lyon était largement devant dans cette poule. Charles, un petit mot peut-être pour ce match? Ouais, complètement d'accord, des Lyonnais qui n'avaient rien à jouer ce soir, voilà, alors pas un stade complet, mais...
Ok, salut à tous, on est de retour pour conclure ce vlog à Lyon. 26 000 personnes hier au stade, c'était pas terrible en termes d'ambiance forcément. Moi je mettrais un petit 7,5 sur 20 parce que c'était nul, hein, le match était à chier, l'ambiance à chier. Heureusement il y avait quand même 2-3 trucs drôles, notamment Alexis qui était un petit peu sous influence, je dirais. Et puis la prompte, la presse, ça a été magnifique, merci à mon copain lyonnais. On s'est régalé, on a bien découvert Lyon je pense. C'était un plaisir de découvrir ce magnifique stade, ce stade très moderne. Dans lequel on a passé un très bon moment, globalement. La buvette était bien, la pizza c'était pas mal. Et ça n'a rien à voir avec la buvette du PSG, je vous retiens. On en reparlera. Sur ce, on conclut ce vlog. C'était vraiment une très belle expérience et prochain épisode, peut-être à Marseille ou quelque chose comme ça. Allez, salut à tous, merci mesdames, je vous la revue. La bise, c'était là.